Alors bonsoir et bienvenue dans la quatrième vidéo dans la série Programmation Java. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons téléchargé les logiciels nécessaires et qui pourraient permettre puis devant nous commencer à programmer en Java. Tel que nous avons téléchargé Java en soi et nous avons téléchargé un environnement de développement intégré qui c'est Eclipse qui pourrait permettre nous écrire code Node et code Java Node. Alors, dans la vidéo ça, tout de suite, nous allons commencer par configurer l'environnement de développement intégré ça qui c'est Eclipse. Alors, nous pourrons aller dans le dossier et nous avons téléchargé le même dossier pour nous c'était download. Donc, mes Eclipse, mais environnement de développement qui va permettre nous commencer à écrire code. Donc, c'est un logiciel qui n'a pas besoin d'installer parce que c'est un logiciel portable qui est lié. Il suffit que vous cliquez sur Eclipse, côté qui marque Eclipse, qui a un petit symbole ça. Donc, nous allons cliquer sur lui. Nous pourrons paramétrer le logiciel là pour nous capables de commencer et écrit code nous. Alors, une fois que vous faites double cliquer sur Eclipse dans qui y a un petit symbole là, libre fenêtre ça. Alors, dans la fenêtre ça, vous marquez workspace. Il dit select a directory as workspace. Alors, là, il m'a sélectionné un dossier qui peut stocker projet ou yo. Projet que vous pouvez créer. Pour ce qu'on est, leur programmé, il faut que vous créez un projet. Et travail à faire, il faut ou créer un projet. Alors là, il m'a demandé un dossier qui va le permettre à ce que ou stocker projet ou yo. Donc pour l'instant, on a quitté là. Après, on a pris qui gens pour nous capables stocker dans un dossier différent. La dossier ça c'est user et non laptop, non PC hein, et puis un dossier qui est Eclipse Workspace. On a fait launch. Voilà. Alors, et ça c'est interface logiciel Eclipse là qui c'est sous nous pour écrire code nous en Java. Donc regardez en bas à droite là la charge. Donc là c'est ça c'est on regarde une page d'accueil qui est affichée donc qui dit pour choisir. Si vous voulez ou ka dans paramètre logiciel là dit que vous pas voulez page d'accueil ça donc ou ka configurer j'en voulais. Mais nous-mêmes, ce qui intéresse nous, c'est Create a new Java project. Donc, c'est sous l'in appliqué. Donc, il y a l'autre bagage encore, mais là, nous commençons à avancer dans le logiciel. Nous allons utiliser l'autre. Mais pour l'instant, c'est côté qui est plus là, petit bouton plus là. Nous allons cliquer sur Create a new Java project. Dans la partie ça, nous allons configurer le logiciel là. Nous allons préparer le logiciel là pour nous capables d'avoir un environnement qui est favorable, qui est adapté, qui n'est pas très fatigant. Aux yeux nous pour nous capables d'écrire code nous en Java. Donc nous suivons exactement ça fait pour nous capables paramétrer le logiciel pas nous. Ok, nous dit nous cliquer sur create a new Java project. Donc là il demande nous non un projet par exemple bon non un projet que ou non projet j'aime te dire nous ça et l'a codé faut que chaque travail qu'on fait faut qu'on crée un projet et projet ça faut ballon non. Alors, projet, c'est pas un dossier qui a tout les documents là-dedans, tout alors code ou écrit, etc. Donc, par exemple, je vais le projet ça, projet 1. Par exemple, je vais le projet 1. Ok, projet 1. Et je vais rappeler que dans nos projets, il n'y a pas de gain accent. Écrit le simple. Ok, donc une fois que vous mettez nos projets, et vous cliquez sur finish en bas. Donc là voilà nous avons trois parties dans le logiciel là qui c'est pour les parties à gauche en coin. Donc partie ça c'est là tout dossier qui est projet là par exemple projet 1 c'est dossier ça me saute créé là qui est projet dedans. Donc nous parlons ça là qui j'ai pour nous paramétrer. Alors ça m'était facile parce que moi j'ai utilisé déjà. Ok, voilà, donc il faut que nous ayons nos projets à apparaître là. Ensuite, la mi-temps, c'est là nous allons écrire code nous. La mi-temps là, nous allons voir qui j'ai pour nous paramétrer pour toute barrière qui apparaît. Et bien en bas, là nous comme l'offre écrit un code, un logiciel, on va tester les mais et comme c'est en mode console que nous y est, donc tout et ça logiciel l'a fait, ça audit le fait, c'est là où elle paraît. Il va l'afficher, il va le voir où ils ont vu de qui réponse le logiciel là-bas face à une commande. Et puis à droite, il y a d'autres composants. Donc pour l'instant, ça va intéresser nous, donc on va quitter.
Ça nous peut le faire, c'est paramétrer le logiciel là. Nous sommes capables et page tout blanche. Mais là, comment c'est écrit, par exemple, ou comment c'est écrit un logiciel, ou capable de faire 2 heures de temps, 3 heures de temps devant ordinateur, donc couleur blanche là capable de fatiguer les yeux. Donc pour cela, nous pouvons mettre en couleur gris foncé qui va permettre à ce que mes yeux ne pas trop fatigués pendant d'appliquer le logiciel là. Nous pouvons aller dans Windows et puis nous pouvons aller dans appliquer sous préférence, preference. OK. Premier ça nous pouvons faire c'est changer thème là. Ça veut dire retirer le fond blanc, mettre le fond gris. Nous pouvons cliquer dans petit combo ça qui sous onglet général là, nous cliquer sur apparence. Appearance. Et puis là dans thème nous avons marqué classique. Et bien, ça l'a fait, nous cliquons sur lui, nous choisissons dark. Nous choisissons dark qui signifie noir. OK? Donc, une fois que nous choisissons dark, nous faisons apply. Et puis, après, il change couleur. Voilà. Donc, ça, le logiciel a changé couleur. Là, il dit nous, a restart is required for the theme change to take full effect. Ça veut dire, il demande pour nous redémarrer le logiciel là. Pour changement capable et faire effet. Mais nous ne pouvons pas nous inquiéter, après nous avons ça. Donc nous cliquons sur OK. Kounia, ça nous va le faire, nous allons paramétrer. Alors nous cliquons sur Apply, and Close. OK. Kounia, nous changeons le thème. Nous n'est pas blanc encore, il n'est pas trop fatigué. Dans le projet nous avons créé, nous allons suivre et ça nous va le faire. Et puis devant, nous avons une explication. Nous cliquons sur le petit combo, nous déroulons le projet, nous avons deux dossiers. Un premier, un deuxième. Mais pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nos deux premiers. Nous allons aller dans le dossier qui est marqué SRC. SRC, ou bien nous sommes capables de dire c'est raccourci de source. Nous cliquons sur lui. Et puis après ça, nous allons faire File. Nous pointer New. Ensuite, nous cliquons sur Classe. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça. Puis devant, nous allons comprendre qui ça, ça a voulu dire. Pour l'instant, juste et simplement suivre. Et ça m'a fait. Nous cliquons sur classe. Là, la name, nous allons nom. Par exemple, nous allons dans les classes test. Avec T majuscule. Nous allons classe test. Et puis, une fois nous finissons cliquer sur nous finissons le nom, et puis nous cocher public, static, void main. Ça, nous stocker, nous cocher ça. Pour l'instant, juste faire même j'avais, et puis devant ma bonne explication. Ensuite, nous faisons finish. Voilà. Donc là, nous avons un mi-temps. Et bien, côté nous, pour nous écrire le code, nous paraît avec un paquet d'écriture chinois pour nous pour l'instant. Donc, nous pas besoin de nous pour nous habituer avec ça, pour nous connaître qui ça, tout ça, vous l'avez dit. Mais nous sommes capables de remarquer, l'écriture paraît trop petit. Nous avons amélioré ça. Nous avons fait le plus gros pour nous capables de plus bien. Parce que là, programmer, il faut que vous à l'aise. Il faut que les choses ne soient pas trop compliquées, il faut que les choses ne soient pas nuisantes. Sinon, nous ne prenons pas plaisir dans le programme. La programmation, c'est vraiment cool, mais il faut que les conditions soient bien réunies pour nous capables et bien programmer. Alors, nous pouvons augmenter la taille écriture une façon pour nous pour ne pas forcer les yeux à regarder, une façon pour ne pas épuiser, pour les yeux ne pas épuiser facile. Ça, nous pouvons le faire, nous pouvons retourner dans Windows, nous cliquer sur Préférences, et puis dans l'onglet et Préférences, non? N'a déroulé combo ça nous choisi alors color and font ouais en bas appearance nous choisi color and font dans color and font nous pour aller à droite côté qui m'a dans là n'a cliqué sur text font ouais text font il text editor block selection font mais n'a cliqué sur text font une fois nous cliquons sur text font nous pour faire edit. Nous cliquons sur Edit. Donc là, dans Size, nous avons 3 carrés qui paraissent. Carré, ça c'est pour changer la forme écrite. Ça c'est pour changer, mettre en italique, en gras, etc. Et puis dans Size, c'est lui qui va changer grosseur et écriture. Donc par exemple, nous allons mettre 24. Mettez le 24, l'infi mettre le 24. Sur le, je dois choisir, mettre en italique, mais je choisis sans changer size seulement. Et puis, je fais OK. Maintenant, je fais OK. Quand je vais faire Apply. Voilà. Donc, si nous faisons avancer la fenêtre, nous sommes capables de voir que l'écriture a changé. Mais, je remarque, si je choisis à gagner 3 goûts, je vais retourner dans la font pour diminuer. Et puis, je clique sur font, edit,
Et puis, je vais mettre, par exemple, je vais mettre 20. On dit mettre 20 et puis je fais OK. Et puis là, maintenant, je fais Apply. Voilà. Là, plus ou moins, je vais dire écrit à l'identifiant. Donc, je ne vais pas forcer les yeux. Pour moi, ça m'a écrit. OK. Donc, une fois que tout ça fini fait, donc, je vais cliquer sur Apply and Close. Et voilà, c'est tout. Je gagne un environnement et qui paramétré pour écrire et logiciellement et bien facile sans pas épuiser les yeux, donc sans contrainte et pour une façon pour nous capable prendre plaisir dans ça. Donc dans menu yo, donc en l'air nous avons plusieurs bas. Dans premier bas là et nous gagne file, nous gagne menu edit, nous gagne source, l'autre encore. Donc nous pas bien pour nous ouais tout, mais deux menus qui peuvent intéresser nous tout pendant la coder, c'est file et ensuite nous sommes capables d'utiliser edit tout. Donc dans le menu file nous avons new, le point est new où il y a Java project, project package, class, donc tout ça nous avons pour nous servir avec Pifo là-dedans. Donc là nous avons créé un nouveau projet, donc c'est ça nous avons fait, appliquer sur new et puis nous choisir Java project. Donc nous allons utiliser ça. Classe, c'est pour nous créer une classe. Nous avons ça avec ratio. Ensuite, nous allons marquer, toujours dans le menu File, il marque Open. Ça, c'est pour nous ouvrir un fichier. Nous avons créé déjà. OK. Et puis l'autre encore, Recent File, c'est fichier que vous travaillez sur déjà, projet que vous travaillez sur déjà. Donc, vous êtes capable de joindre dans Recent File au lieu de l'ouvrir sur machine. Donc, ça, on comprend, close et save, si besoin, save projet A, non, dossier, etc. Refresh, si besoin, et rafraîchir l'espace de travail là, tout ça. Donc, si besoin, importer, appliquer sur import, exporter, etc. Restart, si besoin, redémarrer l'espace de travail là. Alors, IDEA, Eclipse, on est capable de cliquer sur ça. Donc, switch workspace, nous répondons à ça rapidement. Et edit, si besoin, well, il y a plusieurs, il y a. Et on doit si vous besoin faire back, par exemple, vous venez taper un code au fond erreur, donc vous besoin retourner dans avant pour effacer l'erreur là, vous cliquez sur undo. Ou bien redo, c'est pour avancer. D'abord, si vous besoin faire couper un texte, vous capable faire ça. Passe, tout ça, c'est presque même anglais qui même paramètre qui l'a écrit dans l'éditeur de texte, l'a écrit sur Word, etc. OK? Donc, c'est tout, nous allons gagner pour nous. Et approfondir ça au pied devant et c'est tout. Donc c'était que nous prenons un petit temps pour nous capables refaire manipulation pour nous capables habituer avec eux. Donc c'est pas compliqué. Donc pied devant nous allons commencer directement dans la vidéo qui vient après, nous allons commencer directement écrire et quelques instructions en Java pour nous capables et avancer.